Bon, la première des choses, l'organisation fait l'Algérie, toute organisation, au dépourvu. Parce qu'on a eu une expérience, fait les Jeux méditerranéens, une expérience réussie. Tout le monde a mis une pierre à l'édifice, tout le peuple, les autorités. Bon, je tiens à remercier les autorités de la Bled, le sport. Fait partie du développement d'un pays. Maintenant, avec les Jeux méditerranéens, l'organisation et la réussite des Jeux méditerranéens, nous avons une petite expérience pour aller loin, faire la chaîne. Qui va être en même temps un test pour la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Et je pense que l'organisation, et il va mettre tout ce qu'il a pour réussir cette chaîne, qui va être le tremplin d'Inch'Allah l'organisation de la Coupe d'Afrique 2025. Avec les nouvelles infrastructures hôtelières, les nouvelles infrastructures sportives, on n'a pas à rougir, on est un pays qui est dans le vrai, dans le domaine sportif. On a toutes les chances pour avoir cette Coupe d'Afrique des Nations 2025. Maintenant, à moins d'après l'Akhor, mais on ne fait pas les rumeurs, mais je pense que d'ici là, il faut faire un travail de coulisses. Parce qu'en Afrique, les coulisses, ça compte.